Merci de faire toujours le bon choix, de choisir RTI1. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à midi chez nous. Eh bien, nous sommes aujourd'hui lundi. Lundi inclut la rubrique Le temps du rire. Nos comédiens seront là dans quelques instants. Eh bien, les 3D de l'humour en Côte d'Ivoire. Avec eux, nous ferons le bilan physique de la Saint-Valentin à l'Estanguet. Je sens que ça va chauffer. Dans la deuxième partie, nous recevrons Béranger Boyi pour la rubrique Internet éthique. Et la troisième partie nous permettra, bien sûr, de recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Eh bien, je sens que vous êtes encore nostalgique de la Saint-Valentin. Odia et Nel Djamila sont en featuring et voici ce que ça donne. De retour donc sur le plateau de Midi chez nous, et eh bien le temps du rire, c'est tout de suite et maintenant. Voilà, alors nous sommes en compagnie de monsieur Kouassi des Perpignan. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Ça va? Vous-même obligé. Docteur Philo, bonjour. L'amour, 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 l'amour. L'amour, yeah!
Bonjour. Madame. Didier la flamme de l'estanguet. Bonjour. Bonjour, vraiment. Apparemment, ça va chez vous. Non, ouais, ça va. Parce qu'à l'estanguet, il y a trop de choses. Il y a vraiment trop de choses. Alors, docteur Philo, vous allez nous expliquer ce qui s'est passé. Vous êtes coiffeur de formation et vous exercez aussi le métier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi qui coiffe. C'est blague qui coiffe, c'est lui qui coiffe. Ah, d'accord, je comprends tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis le témoin de ce qui s'est passé. Mais vous êtes simplement le témoin et vous pleurez aussi. C'est ce que j'ai vu là. Apparemment, c'est grave. Ça ne fait pas du tout rire ce qui s'est passé. Elle est la Saint-Valentin. Mm-hmm. Je n'ai pas eu de Valentine. Mm. J'ai dit, ah, bon. Je suis parti me coiffer, me faire un peu beau. Je que je vais avoir la chance. Attendez, avant de continuer, on va demander au témoin. Au témoin de se calmer. Parce que lui, il a été seulement témoin. Apparemment, il est sorti indemne de la situation. Mais il est en train de pleurer. Alors, monsieur le témoin. Il vit la douleur. D'accord. Il n'a qu'à expliquer. Essayez de faire un effort, monsieur le témoin. Calmez-vous, s'il vous plaît. On va vous apporter un mouchoir. Alex, vous avez un mouchoir. Alors, docteur Philo, dites-nous tout. Vous qui êtes le coiffé. Et donc, la Saint-Valentin, j'ai dit, bon, comme je n'ai pas de Valentine, je vais aller me faire beau un peu, me coiffer. Pour qui? Pour votre plaisir personnel. Oui, voilà, un paramètre hasardeux quelque part là-bas. Si je pouvais peut-être rentrer en contact avec une fille. C'est ainsi que je partais dans le salon de coiffure. C'est un coiffeur. Ah, d'accord. Le coiffeur du quartier. Et quand je suis arrivé, au moment où je m'apprêtais à rentrer dans son salon, j'ai croisé une femme, une fille. En tout cas, une fille, ses dents étaient au dehors, même les lèvres même avaient du mal à fermer ses dents. Elle avait un sourire vraiment... Très généreux. Mm-hmm. Tu as l'impression qu'elle sourit avec toi, mais c'est les dents là-même qui faisaient ça. Moi, j'étais là, j'ai vu. Au niveau des dents là, voilà, dents qui sortaient là, 32 cm, je l'ai vu. Je ne peux pas tout dire maintenant. On va le dire, le reste après. Elle même là, va se moller là même, tout est développé seul comme ça. Elle est cambrée. Il y avait poil sur le mollet là. Lui, il a tout vu. C'est là que j'ai posé à la vie. J'ai échangé avec elle. Il était au salon, il me dit, ah mon frère, tu es venu te coiffer. Ouais, tu es venu chercher quoi. Je suis venu me coiffer. C'est ainsi qu'il m'a fait signe, je suis rentré dans le salon. J'ai commencé à me coiffer, il me posait, il a vu ce qui s'est passé là. Ça là, il m'a laminé. Il m'a laminé. Ça, c'est du lynchage crânien qu'elle a. Voilà où il était allé me coiffer. Voilà ce qui m'est arrivé. Il est pas beau. D'accord. On va se calmer. Mais c'est depuis le vendredi. Hein. C'est vrai que vous avez les séquelles, mais apparemment, la douleur interne, elle est encore là. Ça ne peut pas finir. Que tu te rappelles? Je ne peux pas dormir depuis ces années. Je ne dors pas. Je ne dors pas où la douleur. Yako. Il y a le sang pour l'envoi. Alors, d'accord. Essayez de vous calmer. On va demander au coiffeur. Monsieur de Perpignan, Kwasi. On peut avoir votre version des faits. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est qui s'est réellement passé? Il y a quelqu'un qui a dit ça. Moi, j'étais dans mon salon. Comment, si tu vois qu'une fille, elle n'est pas amoureuse de son mari, elle va faire quoi devant son salon? Eh oui. Donc, j'étais là, et puis je vois ce type-là, et il dit, bon, viens, il va te coiffer. Donc, il est venu. Maintenant, comme moi, je n'ai pas entendu ce qu'ils se sont dit là-bas. Quelle comme ça? Il a parlé à la fille. À la fille. Ouais. Ok. Moi, j'étais là, j'ai vu. Ma chérie Coco. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Donc, là, il a dit, bon, mon ami, je voulais tirer sa bouche. C'est ça. Il dit, mon ami, la goule, elle dit quoi? C'est ça. Yo, on s'est donné rendez-vous tout à l'heure. C'est là? J'ai pris la locale, il a tenu rendez-vous, j'ai fait un petit nid de pigeon. Voilà. Il dit, mais c'est à quelle heure? Il dit, non, vers 22h. Il y avait un petit nid encore. Voilà. Cette fois-ci, de poulet. Je commence à faire des nids. C'est comme ça que j'ai fait les nids un peu. Ah oui. Voilà. Ok, donc voilà. Il dit, non, comment vous attendez? Il parle, il ne sait pas que c'est ma femme. Moi, ma femme, c'est planté.
Mon Dieu, il sort. C'est là qu'on s'est frappé. C'est ça. Voilà. Il n'est pas bon, lui là, il n'est pas bon. Lui, il était là. Voilà, j'étais là, moi, j'ai tout vu, j'ai tout vu. J'ai vu comment il m'a mordu bon. Philo n'est pas bon, docteur Philo n'est pas bon, hein. Moi, j'étais là, j'ai vu. Ah, tu l'as loupé. Mais pourquoi il a si mal? Puisqu'il a réussi à vous casser le bras. Bon, ça, c'est quand j'ai fini de faire les dix, là. Parce que faire ni des pigeons, ni des... Derrière la main, là, c'est ni des dindons, parce que les dindons sont beaucoup. Donc, j'ai fait ça comme ça. Voilà. C'est pas possible. Et il m'a mordu. Au moins, je vais... Ça veut dire quoi? Mon bras. Ça veut dire quoi? Oula. Non, non, ce que vous venez de dire. Il a dit quoi? Mais, Débarbouillant, tu as fait ce qu'il t'a dit de faire là. Quand il t'a mordu là, il t'a dit de mettre caca de poulet dessus, non? Oh là là. C'est, oui, oui. Ça a pourri ses dents. Tu vas voir. Comment il peut chercher femme déjà? C'est pas, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Ça, c'est petit. C'est parce que j'ai laissé mon caractère à baiser. Apparemment, vous avez une fracture au niveau du bras. Oui, oui, j'ai cassé. C'est pas fracture, j'ai cassé. Il a cassé, c'est pas fracture. Ah, tu as cassé, mais tu m'as dit c'est fracture, non? C'est flou ou en tosse? Bon, c'est en flux. Alors, d'accord. Donc, le témoin est là. Oui, voilà. Alors, quelle est votre version des faits? Ça s'est réellement passé comme les deux l'expliquent? Oui, oui. Non, la première explication, là, ce que Philo a dit, là, c'est juste. Des papiers n'est pas bon. Moi, j'étais là, j'ai vu, des papiers n'est pas bon, hein. Parce que ce qui s'est passé, moi, je connais la grandeur de, comment on appelle, des papiers. C'est une fille, elle est courte comme ça. Même avec ma grand-sœur. Mais ce qui s'est passé là, il y a un marguerite qui est venu à ce moment-là. Quand le marguerite est venu, maintenant le chat a commencé à poursuivre le marguerite. Elle dit ça, c'est normal. C'est pas normal. Non, 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 il faut qu'on soit clair. C'est pas normal. Mais, moi, j'étais là, j'ai tout vu. Monsieur Didier Lafleur, oui. Ça va? Non, 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 ça, non, ça va pas. Et quand le marguerite est parti là, dans ça, quand il y a expliqué ça, vous êtes sûr que ça va? Il a tout vu. Je comprends pas trop. Quel est le rapport entre le marguilla, le chat, et voilà, par rapport à ce qui s'est passé? Je comprends pas. C'est ça, même, c'est la question que je réponds. Je comprends pas. Hein? Où est le rapport? Où est le rapport? Ta main est cassée. C'est ce que tu dis là. C'est quoi? C'est vrai? C'est moi qui ai raison, mais c'est lui qui a raison. Quand la souris passait là, toi, c'est pas toi qui as poursuivi la souris. Oui, oui. Une souris chauve. Voilà. Et quand je suis parti là, j'ai oublié le reste. D'accord. Hein? Je crois que c'est mieux ainsi. Alors, on va se calmer et vous allez tous les deux chercher à vous faire soigner. Mais à l'estanguer, comment ça s'est passé réellement? Vous, de votre côté, avec toutes ces fleurs. On ne sait pas si vous êtes, je veux dire, le fils de Nyouli ou son frère. Ça n'a rien à voir. Johnny Lafleur, un homme végétal. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à l'estanguer, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mm-hmm. Vous savez, à l'estanguer, il y a trop de choses. Les fleurs que vous voyez là, ce sont les fleurs qui ont été refusées par les femmes de l'estanguer. Ah, d'accord. Ah, ouais. Parce qu'il y avait trois femmes qui faisaient leur bilan. Elles étaient assises et puis il y a une qui dit à ses camarades, mon chéri m'a donné 15 roses. L'autre dit, mon chéri m'a donné 20 roses. La troisième, elle est assise. Elle dit, c'est moi où vous voulez blaguer à l'estanguer ici, quoi. À l'estanguer ici, là, on se connaît. Il n'y a pas eu rose ici. Moi, mon chéri m'a donné Dokun emballé avec, comment on l'appelle, Cocotiga. Ah, ça a chauffé à l'estanguer. Parce que après, on va faire le bilan numérique. Ce qui s'est passé réellement, les pourcentages, nombre d'amoureux, Il y a alors, trop de choses. Et comment ça s'est terminé? Bon, vous êtes rentré chez vous, qu'est-ce qui s'est passé? Madame, avec tout ce séquelles-là, tout ce qui est sur moi, est-ce que je peux passer à l'amour encore? C'est que je suis la fille en question, elle était devant le salon. Parce que quand j'ai causé avec elle, elle était devant le salon de coiffure, elle dit elle va m'attendre. Maintenant, quand j'ai cassé sa main, je l'ai mordu parce que c'était la légitime défense. Parce que quand il parle de nid de poule, nid de truc, je me demande si ma tête là, c'est autoroute ou c'est piste. Il a commencé à me donc, j'étais en légitime défense et c'est là que je m'ai défendu et j'ai cassé sa main. Et après, quand je suis allé voir la fille, j'ai vu que la fille a commencé à partir. Et puis il y a un monsieur qui a pris la fille dans sa voiture et puis ils sont partis. Moi j'étais là, j'ai vu. Avant que la fille ne monte dans la voiture. D'un monsieur. Oui, le monsieur a donné un bouquet de fleurs à la fille. Mais je veux dire, vous avez tout vu. Où vous étiez au moment où ils étaient en train de se battre? Oui, voilà. J'étais où? Toi, j'étais là. Moi, j'étais où? Il était là. Non, j'étais où? Il faut dire la vérité, hein.
Voilà, en ce moment-là, moi, j'étais où? D'accord. On va faire le bilan. On se disait la femme, on va faire rapidement le bilan de la Saint-Valentin. Ah ouais. Allez-y. Il y a trop de choses à l'estanguer. Ah oui, ça a chauffé. Ça a chauffé à l'estanguer. Nombre de choix de partenaires. 80%. Lui qui est venu premier, là, c'est lui qui a gagné. Téléphone fermé ou téléphone non décroché. 75%. Ah, les téléphones ont sonné. Sonné. C'est là, tu entends. Votre correspondant est actuellement sur un autre mouvement. Rappelez demain. Le qui m'appelle là, c'est Dieu seul qui a le payé. Tout okay. Ça, c'est la messagerie du téléphone qui fait ça. Non, c'est pas la messagerie. Ça, c'est la fille qui vient appeler là. Mm-hmm. C'est elle qui pleure maintenant. Ce qui m'appelle. Je l'ai décapé, il faut relancer. Ah, la vieille mère, ah, ça passe pareil. Ça a chauffé. Mm-hmm. Donc, à ce niveau-là, on a eu 75%. Mm-hmm. Téléphone non décroché. Hôtel visité, 90%. Ben, le jour de Saint-Valentin à l'Estanguet, les gens vont plus à l'hôtel qu'à l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Dieu là. C'est là qu'ils mettent en application. Il y a un verset biblique qui dit « Aimez-vous les uns et les autres, aimez vos prochains. » C'est là qu'ils mettent en application si je n'aime pas Dieu en ce moment. Il y a trop de choses à l'Estanguet. Nombre de bagarres, 62%. La preuve. Plan échoué, 39%. Ah oui, quand ton plan échoue comme ça, là, le monsieur ne doit pas vite, il tourne dans la maison là. Oh, il n'y a rien à la télé même. Oh, il y a les faire sans pas, madame dit, on allait ensemble. Puis tourne. À ce niveau-là, on a eu 39%. Nombre de personnes maudites, le jour J de la Saint-Valentin, 70%. J'imagine. Dieu va te payer. C'est là que tu vas payer tout ce que tu as fait là. C'est là que tu vas te cogner. Tu vas mourir. Tu ne vas plus jamais te marier si tu m'as laissé. À ce niveau, on a eu 70%. Bouquet de fleurs accepté, 2%. Voici ça. 1, 2, c'est fini. Maintenant, nous avons eu mariage brisé, 36%. Ah oui. Rupture, 20%. Infidélité enregistrée, 33%. Ah oui, en ce moment-là, les femmes ont été devant. C'est les hommes qui ont pris le dessus à ce niveau-là. D'accord. Ah, nouvelle rencontre, 17%. Love dans les rues et couloirs, 60%. C'est pas un maudit deux couples. La veille, c'est le vendredi prochain. Déception amoureuse. Déception amoureuse. Mais pourquoi vous pleurez? Déception amoureuse. 97%. Je l'avais imaginé. Merci beaucoup. Merci. La fille en question dont on parle là. Non, il faut que je dise, c'est ce qui fait que la douleur est toujours là. En fait, cette fille là, c'est son mari qui est fait venir la chercher là quand je sortais pour aller derrière elle. C'est pas sa femme. C'était pas sa femme. Et je la cotisais dans ma tête. C'était pas sa femme, hein. C'était pas sa femme, elle a fait tout ça, là-dessus. Mais il a dit tout à l'heure que c'était son épouse. J'appelle la foi qui est dans la tête devenue ma femme. C'est pas possible. Merci beaucoup. Vous restez toujours en notre compagnie. Nous allons marquer une courte pause musicale avec Yabongolova. C'est parti. Salimou, n'est pas wanyan yare mare. Aïe la gode, salimou, gaou.
C'était Yabongo Lova. Eh bien, nous sommes toujours aux couleurs de la Saint-Valentin avec nos humoristes qui sont là pour le bilan. Dédicace spéciale à tous les téléspectateurs. Voilà. Du côté. Jamais. Mais je t'aime. Pas ma... Non, c'est pas moi-même, hein. C'est pas moi-même. C'est elle qui vous aime. Elle vous aime. À vie ou bien à moi. Pardon. Jusqu'à là-bas. Là-bas où? On peut dire où? Paradiso. Paradiso. Valentin, même là, c'est un baoulé. Ah. Valentin, on dit tout le monde. Pourquoi je ne connais Valentin? Mais voilà Kwakuba Jean-Valentin. Kwakuba Jean-Valentin. Oui, c'est-à-dire que c'est un jeune homme qu'au moment où les jeunes du village vont aux champs, lui, il ne va pas aux champs. Il reste dans le village pour courtiser les petites filles, les jeunes filles. Ça, c'est l'origine de la Saint-Valentin. L'origine de la Saint-Valentin. D'accord. Et c'est, je vous parle de 26 ans avant Jésus-Christ. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Donc, là, nous, comment Valentin a fait ça? C'est là, les jeunes du quartier, ils se sont préparés pour le faire du mal. Mm-hmm. Dès que mes Valentins sont, c'est ça, le jour-là, c'était 14. Mmh. Oui. Donc, les noms, ils sont tenus les Valentins. Parce que quand la date arrive net, on se rappelle. C'est. Comme Valentin, comme Valentin lui-même, c'est un faux gars, ça coûte ça en Saint-Valentin, il y a beaucoup de choses. Donc c'est ça que Valentin, il est devenu comme ça. Sinon, Valentin, là, c'est pas un prêtre français ni chose. Hein. Valentin, c'est un jeune baoulé. Donc, quand vous voyez, en fait, ils sont. Mais la dernière fois, j'étais là-bas et puis j'ai vu, j'ai dit, pas là dans la maison, la fille a commencé à chuter le monsieur. Jusqu'à la police est venue, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais non, il m'a promis une voiture, je ne vois pas la voiture. Ouyo, 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 ouyo. La fille est arrivée à la police. On dit, bon, mais madame, expliquez-vous, elle pleut, elle pleut. On dit, bon, tout ça, même, c'est bon, où est le monsieur en question? Il va venir s'expliquer. Elle dit, non, que le monsieur ne peut pas être là. On dit, pourquoi? Il y a son mari là. C'est mari de nuit. Il est là.
Merci. Merci beaucoup de Perpignan. Ah, trop de choses à l'instant. La cassette sort. Hier Non, c'est CD maintenant. Cassette sort plus. Mais jamais dans CD. Voilà. CD, la pomme, c'est pas bon. C'est un single, d'accord, on va partir titres. Pour la chronique de Dr. Oui. Philo. Voilà, faites le générique là. Docteur Philo au micro, c'est l'heure des informations. Toutes les informations de toutes les planètes. Jupiter, Saturne, Vénus, Neptune, Mars. Février. Avril. C'est bon. Communiqué. On va commencer par un communiqué. Un réalisateur de films africains cherche un acteur court pour incarner un rôle court, très bref, dans lequel il va dire simplement, dans un court métrage, dans lequel il dira simplement « salut ». Mais le cachet aussi sera très court, à l'image de l'acteur. Hier nuit, un homme de Dieu, il allait prêcher à Yopougon-Jesco. Yopougon-Jesco, c'est un quartier dans quartier. C'est-à-dire, il y a des quartiers là-bas. Le nom, c'est en fonction de là où tu habites, des risques où, que tu cours. Il y a un quartier là-bas qu'on appelle tomber mort. Ça est sur colline. Si tu tombes, tu es mort. C'est là-bas qu'il est allé prêcher dans la cour d'un guéret. Là-bas, ils n'ont pas courant chez eux. L'électricité est une denrée très rare là-bas. L'homme de Dieu a commencé à prêcher. Je suis venu vous apporter la lumière. Je suis m'envoie vous sortir de l'obscurité. La pénombre. Vous êtes dans le noir. Je suis venu vous faire sortir du noir. C'est bon. C'est information. C'est pas prêche. C'est dans ça, il y a un enfant qui était dans le salon. Lui, il a entendu, il appelle son papa qui était dans la chambre. Il dit, papa, oh, le tonton qui donne courant là est venu. On continue les informations. Saint-Valentin, à Abidjan, il y a un Espagnol qui est quitté en Espagne. Il est venu fêter la Saint-Valentin à Abidjan. Il a été accueilli par une fille, une âme très généreuse. En tout cas, une fille vraiment qui s'est bien occupée de l'Espagnol. Et il a fêté la Saint-Valentin très bien en Côte d'Ivoire. Mais notre compatriote espagnol n'a pas été honnête. Quand il rentrait, en tout cas, il a donné beaucoup d'argent, des billets de banque à la fille. Quand il est arrivé en Espagne, il prend son téléphone, il appelle la fille. Il dit, hello, hello Margarita. Ah, you are sur le faux bureau. Ah, tous les bureaux que je t'ai donné sont les faux bureaux. C'est un héros dans ton pays, héros. Toi, tu es gawaïro. La fille aussi dit, ah bon, il m'a eu, hein. Bon, hello, toi aussi, oublie l'euro, te protéger l'euro, si d'ailleurs te contamine l'euro, match nul 0-0. On continue les informations. Selon une étude non étudiée, il ressort que 90% des vieux de plus de 90 ans, lorsqu'ils achètent un journal, c'est la page de nécrologie qui les intéresse. Là, au moins, ils sont sûrs de retrouver les vieilles connaissances, ceux qu'ils ont perdu d'avant. C'est là ce qui les intéresse. Il y a une bonne nouvelle. Pour les sportifs ivoiriens, précisément les amateurs de la vitesse légale. Eh bien, la Côte d'Ivoire sera dignement représentée aux prochains Jeux Olympiques dans la discipline Rallye Formule 1. Ah, actuellement, le recrutement se fait au rond-point d'Abobo. C'est les chauffeurs de Baka, ils ont choisi qui vont représenter la Côte d'Ivoire dans cette discipline-là. Mais il y a des critères. Abobo, il y a des critères. D'abord, il faut habiter la commune d'Abobo. Il faut être polygame au moins. Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire, au minimum, il faut avoir deux femmes. Sinon, on peut prendre les 60 gammes, les 20 gammes. Il faut avoir au moins fait un accident de circulation avec les quatre roues du véhicule en l'air. Il faut venir à une photo à l'appui. Et puis, sur la photo, puis nous, là, on n'a qu'à continuer de rouler toujours. Ah ouais, ça n'a qu'à continuer de rouler. Et puis, il faut avoir une attestation de consommation abusive de café noir. Ah, c'est des vrais critères. Oui, c'est des vrais critères. C'est pourquoi ils sont énumérés ainsi. Et les dossiers sont à déposer auprès de M. Madou Prasso Krokowoni, alias Bangba. Lui, il est à Bobo Clocha. Oh, Clocha. Voilà. D'accord. On va partir pour le football maintenant. Football, ouais. Football hors terrain. Yo. Le côté jardin de nos éléphants footballeurs n'est pas du tout fonction de reluisance ces temps-ci. Aujourd'hui, les fonction éléphants hors du terrain, ils agissent en fonction de leur nom. Akale Kanga, il a calé sa femme, ils l'ont attrapé. Eh Kanga, yo, Akale, yo, Akale, yo, Akale, yo, Akale, yo, Akale, 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 Kanga, yo. L'homme de lui qui l'a popito beaucoup là, comment il s'appelle? Kada Keita. Kada Keita a lapé popito jusqu'à, il allait arroser Champs-Élysées.
Quand lui, il a appris que Champs-Élysées, il a cru que c'est le chat de Élysée. Donc il allait arroser là-bas, ils l'ont attrapé. Eh, regardez, vous n'avez pas, où tu as visé là-bas. Visez pas. On est inquiet actuellement à la lieu où vont les choses. Parce que, puisqu'ils agissent en fonction de leur nom, on a peur pour Maestro. Comme lui, il y a Tolo dans son nom, on a peur, faut pas, il va Tolo un blanc là-bas, ils vont l'arrêter aussi. Eh, Maestro, yo, numéro 5, je te laisse avec Nyeri, yo. Merci. Merci beaucoup. Alors, Didier Laflamme, il y a vraiment trop de choses à l'estanguer. Voilà, vous savez, il y a tellement de choses à l'estanguer que vraiment, moi, mes enfants de l'estanguer là, non, vraiment. Ah oui. J'ai hâte de les connaître. Oh, un jour, tu vas arriver à l'estanguer, tu vas voir. Mon enfant, il sort. Je le cherche, il ne vient pas. Voilà, il s'amène. Il dit, viens ici. Tokoro, il s'appelle Tokoro. Il dit, Tokoro, viens. Tu viens d'où? Et puis il croise les mains. Papa, je suis quitté l'Élysée. Il dit, hein? Tu allais l'Élysée quoi? Papa, je suis quitté l'Élysée. Il dit, mais où est la casserole là? Il dit, papa, ils sont venus prendre. Il dit, bon, ok. Quitte là. En même temps, il y a un monsieur qui est rentré. Quand il a vu mon enfant, puis il a donné 100 francs à mon enfant. L'enfant prend les 100 francs, il met dans sa poche. Sa maman lui dit, mais, Tokoro, quand une grande personne te donne l'argent là, tu sais pas ce qu'on dit? Il dit, maman, vous me laissez. Moi, je sais pas ce qu'on dit. Elle dit, mais tu sais pas ce qu'on dit comment? Une grande personne te donne de l'argent, tu sais pas ce qu'on dit? Habituellement, là, quand ton papa me donne l'argent chaque matin, là, qu'est-ce que je fais? Il dit, ah, tu fallait dire ça, si c'est ça, là, je connais. Et puis l'enfant, mon fils, Tokoro, il prend la pierre de 100 francs, là, et puis il touche le monsieur. Tonton. Qui est ton argent? Petit l'argent là, si tu ne l'augmentes pas là, je ne prends pas. Garçon incapable, quand c'est ça là, son mal là, quand ça vous demande pardon, lui là, tu es premier. Et tout ça, ça te supprime ici. Imbécile, et à ta nuque là. C'est le voisin même qui a eu raison de toi. Il est stangé. Vraiment, il y a trop de choses. Donc là, je sors. Parce que je ne pouvais pas rester là. Tokoro. Il a recopié exactement ce que sa mère fait avec son père. Vraiment, à l'estanguer, il y a trop de choses. Donc, il dit, mais l'enfant a mal. Honteux que je sois, je sors. Puis, je vois un ami que j'avais converti. Je lui avais demandé d'aller à l'église. Un mouchi. Il allait à l'église. Il a demandé tout à Dieu. Il n'a pas eu. Découragé qu'il est. Il va s'arrêter sous un arbre et puis il parle à Dieu. Dieu, je t'ai tout demandé, tu n'as pas donné. Moi-même, je suis découragé même. Donc, je vais mourir. Faut tout faire, faut casser la branche là, ça a tombé sur moi. À l'estanguer. Léger vent. Voilà, venez, il a couru quoi. Il dit, oh Dieu, c'est ça là, son mort, tu connais. Ça là, son mort, là, tu connais. Tout ce qu'il a demandé, bonbon là, tu n'as pas donné. Quand il a demandé la mort seulement, là, tu es en train de faire ça. Vraiment, il y a trop de choses à l'estanguer. Il y a vraiment trop de choses à l'estanguer. Là, Saint-Valentin, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. C'est pendant la fête de Saint-Valentin que j'ai vu que souvent les femmes ne se donnent pas de bons conseils. Voilà une femme qui se plaint, se confie à sa camarade. Elle dit à sa camarade que son mari n'est pas bien. Mon mari n'est pas bien. J'ai pris la première bonne. Il a enceinté la première bonne. J'ai pris la deuxième. Il a enceinté la deuxième bonne. Troisième, jusqu'à quatre aujourd'hui. Elle dit à sa camarade, chérie, toi tu me conseilles quoi? Sa camarade dit, mais ça c'est petit. Ça les faut jouer au rôle là. C'est l'homme en application la dextérité féminine. Ça là tu prends plus bonne. Maintenant là, tu prends boy. Comme ça, lui, t'enceinte 8 fois. Double. Ça, tu doubles la vengeance. Merci à vous. C'est ici qu'on va se dire au revoir. Il y a vraiment trop de choses. On se verra la semaine prochaine. Je rappelle que vous êtes joignable au 09 53 69 39. 09 53 69 39. Docteur Philo de Perpignan et Didier La Flamme de l'Estanguet. On va vous accompagner avec cette variété musicale signée Queen. Queen Adjoba, voilà, j'ai failli dire Queen Latifah. Queen Adjoba.